fois qu'on peut rester couché. C'était. Oh, shit. Vous me livrez un mariage à 11h. Moi. Oh, ben non. On reste encore 5 minutes, là. On est pas pressé. Si je reste trop longtemps, je devrais partir. Appelle-les pour dire que t'es malade. Penses-tu qu'il aimerait ça? Peut-être que j'appelais un assistant ou si j'en avais un. Ah, faut que j'y aille, là. Oui, mais demande à Marc-André qui te remplace. Il aime ça, les mariages, Marc-André? Sors-tu, toi? C'est que t'as me surveillé encore, toi. Je surveille pas. Je te demande si tu sors. Je le sais pas, mais tu m'avais promis de me faire confiance. Toi, tu m'avais promis de régler ça avec Gabriel. Puis Pete t'attend toujours. Je t'ai promis de lui faire comprendre que c'était toi le plus important. Je l'ai fait. Je m'arrange pour pas le rencontrer. Ça aussi, ça marche. Fais-moi confiance, Pete Béliveau. C'est tout ce que je te demande, moi. Je t'aime. Moi aussi. Venez. Venez. Une petite agaspicette. On va arrêter ça tout de suite. J'ai agi comme un enfant, je m'excuse. Mais non, c'est moi qui m'excuse et j'aurais dû le faire bien avant. J'ai eu tort. C'est vrai que je m'occupe pas assez de toi. Ben non, j'ai besoin de personne. C'est complètement ridicule, hein? Se bouder pendant une semaine. J'en reviens pas. J'ai claqué à la porte. T'as-tu vu ça? Moi, ça. J'étais sérieux à voir ça. Je te jure, ils sont en train de déteindre sur nous. Ah, mon Dieu, mon Dieu. On est bêtes. Je m'excuse, Louise. Mais c'est vrai que t'en as assez sur les bras. Oh non, t'as raison. Je vais faire plus attention. C'est samedi, il fait beau. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est le ménage. C'est samedi, justement, ils sont presque tous là. Ah, j'ai compris. Tu veux rester à la maison, hein? Ben voyons, Charles, fais-moi pas me sentir coupable, là. On sortira demain ou un soir la semaine prochaine. C'est ça, tu vas encore trouver une excuse, comme hier soir. Qu'est-ce que c'était hier soir? Des comptes? Un mal de tête? On se parlait plus, ça aurait été agréable, hein? Louise, c'est une journée de printemps. S'il te plaît. On sortira un autre jour, d'accord? Aujourd'hui, il y a trop de choses à faire. Ce que tu devrais faire, là, c'est de prendre un papier et un crayon puis écrire les pour et les contre. Mon Dieu. J'ai passé une forêt complète de papier. Des fois, il y a plus de pour, des fois, il y a presque rien que des contre. Génial. Ben, c'est bien. Tu devrais commencer à savoir ce que tu veux, non? Oui. Oui, 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 oui. Ah oui. Oui. Faut que ça soit jamais arrivé. Mais ça se peut pas, hein? Bon, écoute. Si tu veux que je t'aide, là, on va prendre du papier, puis on va faire la liste ensemble, OK? Ça va être facile. Je la connais par cœur. Bon, bien. Vas-y, je t'écoute. Bon. Pour. Contre. Hey, et qu'on en utilise des serviettes puis des nappes, ça n'a pas de bon sens. On devrait utiliser ça en papier, il me semble. Ça serait plus pratique. Ça, Fanny, c'est à cause de l'environnement. On sauve des arbres. Oui, mais à chaque lavage qu'on fait, ça pollue. Mais moi, j'ai de la misère avec ça, le recyclage puis tout. Là, il y a toujours un endroit où ça marche pas. Je te comprends bien. C'est pas toujours facile de faire le bon choix. Je pense que je vais donner un gros
un gros paquet de serviettes en papier recyclé. Ben, je pense que ça serait ça de moins à faire. Bon, ben, j'ai fini. Je vais aller porter ça en haut. J'en ai encore un. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est le dernier. Hey, ils sont finis assez vite. On pourrait faire quelque chose après? Ben, j'ai décidé d'aller en Beauce, chez mes parents. Je vais revenir juste lundi. Fait que... Ben, la fête à mon père va avoir 50 ans, hein, fait que... Je peux pas manquer ça. Ah, c'est bien correct. Ben, t'as-tu déjà vu ça, la Beauce, toi? Oh, oui, une fois, mais ça fait longtemps. Ben, ça te tente-tu d'y aller avec moi? Ben, c'est une bonne idée, oui. Ben, t'es pas obligé, là. Non, non, ça me tente, puis ça va me faire du bien. J'aimerais ça rencontrer ta famille. T'es sûre, là? Oh, ben, je vais appeler maman pour dire ça va être tellement contente. Hey, t'es pas beau à voir, t'es prêt à t'éternuper. Ouais. Ça me dit. Pardon? J'ai bi, c'est Sambi. T'as pas ton football? Bon, vas-y mollo, là, c'est juste à 5 heures. Faut pas rester de même jusqu'à 5 heures, t'es. Quelque chose, t'as pas vu de quoi t'as l'air. Oh, j'ai déjà vu pire, hein? T'es mal placé pour parler, toi. T'attends, là. T'attends qu'elle t'appelle, c'est ça? Reste pas là à rien faire. Comment on appelle là ou bien vas-y, je sais pas, moi. T'as pas de bon sens. Imagine-toi, ça débarque là, là. Penses-tu que ça va lui donner le goût de rester? Come on, va t'arranger, là. T'attends pas qu'elle décide pour toi. Pourquoi t'essayes pas de la reséduire? La reséduire? Ah oui, amène-y des fleurs ou je sais pas, moi. Les filles, là, ça aime bien ça quand on leur fait une petite cour, là. T'as connais Geneviève, tu sais ce qu'il faut faire? Ben, des niaises. Tu penses? Ah oui, je pense que tu vas attendre, t'as beau, là, mais t'avanceras pas bien, bien. Ouais. T'as-tu déjà donné des fleurs à une fille, toi? Ah oui. À Louis, ça fait. Puis il aime bien ça. Peut-être bien que... En tout cas, demande à Lola, là, elle connaît ça. Là. Faut me dépêcher, je vais pas manquer l'arrivée des mariés. Salut. Salut. Je vais faire la cour. Hey, Lola! Lola! Non, mais tu sais, ça m'a surpris qu'elle m'écrive, Hélène, parce qu'on se connaît pas bien, nous deux. Ben, tu l'as pas laissé tomber quand t'étais malade, hein? Elle devait apprécier ça. Qu'est-ce qu'elle dit, toi, dans ta lettre? Oh, elle me dit que ça va. Elle me dit que Laura a commencé une thérapie de groupe. Paraît que ça va mieux, elle aussi. Elle parle de plus en plus. Ce qui est drôle, dans le fond, c'est que Hélène me parle presque pas d'elle-même. T'aimerais-tu ça que je te lise ma lettre? Ben, si tu veux. C'est parce que je voulais t'en parler. C'est bien spécial ce qui est écrit là-dedans, tu vas voir. Je vais t'en lire un petit bout. Okay. Chère Josiane, si tu savais comme je m'ennuie, je pense tout le temps à Julien. Je suis heureuse d'aider Laura, elle va mieux. Tant mieux. Si tu savais comme c'est difficile d'être seule, mais surtout de pas savoir ce qui se passe. J'irais mieux si je savais exactement ce qui arrive à Julien. Écoute bien. Josiane, dis-moi franchement, as-tu repris avec Julien? Ah, oh, pas encore ça. Si c'est le cas, je vais oublier, mais réponds-moi. Comment ça fait qu'elle se pose encore la question? Je lui ai dit des milliers de fois qu'on était juste des amis. Ouais. Mais là, je pense que Julien... je pense que c'est important qu'on fasse le point, nous deux. Tu veux-tu reprendre, toi? Non, pas du tout. Je t'aime bien, Josiane. On est des amis. Mais c'est Hélène que j'aime. Il va falloir que je l'appelle. Parce que, tu sais, moi non plus, je veux pas reprendre. Mais quand Hélène a commencé à parler qu'elle voulait casser avec toi, c'est peut-être ben niaiseux, là, mais je t'avoue franchement que... ça... je sais pas, ça m'a fait un petit velours. Comment ça? Ben, je sais pas, je me suis comme dit... ah, regarde donc ça, Julien est pas capable de me remplacer. Ben, je sais que c'est bébé. Mais là, je me sens coupable parce que j'ai peut-être induit Hélène en erreur. C'est peut-être à cause de moi qu'elle est partie. Comme ça, t'étais contente qu'on casse? Mais non, pas vraiment. Mais en tout cas, disons que j'ai rien fait pour l'en empêcher.
Julien, faut pas que tu m'en veuilles pour ça, là. Là, faut que tu l'appelles puis que tu expliques tout ça. Ma faute, ça. Pourquoi j'ai laissé faire ça? Pourquoi j'ai laissé partir? Il est arrivé tellement d'affaires en même temps, là. Je savais plus ce qui se passait. Ça doit se trouver sur un numéro de téléphone au Brésil. Ben oui, regarde. Il y a l'adresse, là. Peut-être que tu peux sûrement... Ouais. Oui, j'aimerais avoir un renseignement pour un numéro de téléphone au Brésil. Ils vont être tellement énervés, là, qu'ils vont oublier la fête de mon père. Ça va être gênant. Oh non, c'est pas du monde gênant chez nous. Ah! Tu m'en rappelles pas? Non! Comme ça, rasé, là. Oui. Pour les fleurs, qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi pas? Il paraît qu'il y en a qui aiment ça. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu salon funéraire, mais Geneviève, c'est le genre à aimer ça. Je vais appeler. Mais vous me demandez leur donc de te dire à quelle heure ils vont les livrer, comme ça, tu pourrais appeler Geneviève tout de suite après. Ouais. Hein? Je l'invite où, là? Voyons, Marc-André. Au restaurant. Tu fais les choses comme il faut, ben, t'es fait pas. Ouais. Hey, ce soir, j'ai mon entraînement. Écoute, Marc-André, c'est quoi qui est plus important pour toi? Geneviève ou ton football? Ben, c'est Geneviève, mais je peux pas manquer mon entraînement. Ça prend une bien bonne raison. Ben oui, mais appelle ton entraîneur, puis dis-lui. Entraîneur, ce soir, je peux pas y aller parce que j'invite la femme de ma vie au restaurant. Ça se dit, ça. Oh. Hey, si j'y allais avec les fleurs... Oh, écoute, fais donc ce que tu veux. Tasse-toi, là, tu vois bien que je t'occupe. Regarde. Wow! Elle me les a prêtés pour la journée. Ils sont assez beaux? Regarde celui-là. Hey, lui, il est super! Wow! Si on peut avoir notre bourse, je vais pouvoir commencer à acheter. Mais quand est-ce qu'ils sont supposés la donner? Je sais pas. Je regarde tous les jours dans le courrier, même si... à chaque fois, j'ai peur de tomber sur une autre lettre de mon frère. Depuis le coup de téléphone de l'autre fois, tu l'as pas revu? Non. Non. On dirait qu'il a compris. J'espère, en tout cas. Qu'est-ce que tu vas faire s'il revient? Ben, j'ai rencontré une amie de Janine. C'est drôle, hein? C'est la première fois que je parlais à quelqu'un puis que je me sentais sereine. J'avais pas l'impression d'être jugée. Ah! Oh. Puis je me sentais pas coupable. Elle va m'aider, elle. Mais je suis contente que t'aies trouvé quelqu'un. C'est le fun. On rentre. Ici, on va être tranquille. T'es sûre? Oui. C'est toi, là. Faut que je te parle. Mais si tu m'as demandé de venir pour me dire que c'est fini, là, t'aurais pu faire ça au téléphone? Non. Ce que j'ai à te dire, ça se fait vraiment pas au téléphone. Je t'écoute. Facile. Prends ton temps, là. J'ai la journée, hein. Oh non. Non, s'il vous plaît, là, parle-moi pas sous ton là, OK? Sinon, je te dis rien, va-t'en. Et tu m'en nerveux. Bon, OK, OK. Bon, tu te rappelles qu'un soir, on a... Ben, un soir, on a fait l'amour. Ben oui, je m'en rappelle très bien. Rappelle-toi que c'est à cause de ça que moi aussi j'ai dû aller à la clinique, là. C'est pas des choses qu'on oublie. Bon. On a eu peur que je sois enceinte. Écoute, là, Chloé, arrête de tourner autour du pot, puis dis-moi ce que t'as à me dire. OK. Je t'ai dit que j'étais pas enceinte. Je t'ai menti. J'attends un bébé. Un bébé? Un bébé.
m'as rien dit, mais pourquoi? Comment ça? Je n'étais pas prête à en parler tout de suite, là. Il fallait que je réfléchisse, que je sache ce que je veux, moi, le garder ou pas. Puis Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes, hein? Il est fou, là. Et cet enfant-là, il est à nous deux, hein? C'est pour ça que je t'ai fait tenir, là. Étienne, il faut qu'on regarde toutes les possibilités. Tu sais, si je le garde, là, j'aurai besoin de toi, moi, puis lui aussi. Mais pas de problème. Je te laisserai pas tomber, là. Si tu veux, on se marie. Oh, non. Non, non, je suis pas prête à m'engager comme ça. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Tu peux être le père du bébé sans qu'on habite ensemble. Il faut qu'on prenne le temps. On se connaît presque pas. Moi, je sais que je t'aime. Et comme c'est merveilleux. Merveilleux. Il y a notre enfant, là? Merci. As-tu pensé que ça pouvait être à cause de moi, ce qui arrive? À cause de toi, mais pourquoi? Ben, Lola m'a dit que depuis qu'elle savait ce qui m'était arrivé, elle s'était mise à regarder les gars comme s'ils étaient tous des malades. Elle a même failli chicaner avec Pete, mais heureusement, elle s'est rendu compte que c'est à cause de moi. Avec Marc-André, c'est pas ça qui serait arrivé? Je sais pas. C'est vrai que j'ai eu la réaction de regarder les gars tout d'une drôle de manière. Même Marc-André, je me disais, lui, là, la seule affaire qu'il veut, là, c'est de m'empêcher de faire ce que j'ai envie. Tu penses que c'est ça? Lola, en tout cas, elle m'a dit qu'elle était devenue agressive. Est-ce qui m'est arrivé à moi, là? Ça doit pas changer vos vies, hein? Ça veut pas dire que tous les gars sont comme ça. Si j'ai pu sortir avec Étienne, moi, c'est parce que j'étais convaincue qu'il était pas comme mon frère. Ouais, c'est vrai, ça. On dirait que depuis que je sais... ben, en tout cas, ça va plus mal avec Marc-André. Vas-y, en tout cas. Ouais. Laissez faire, je réponds. Oui, allô? Allô? À qui voulez-vous parler? Ah, Caroline Béliveau. Un instant, s'il vous plaît. Caroline, viens ici! Qu'est-ce qu'il y a encore, là? T'es demandé au téléphone. Allô? C'est toi? Oui, oui, ça va bien, toi? Quoi? Quand, ça? All right! Allô? Voyons, allô? Fred s'en vient! Fred! Il a eu un congé, puis il s'en vient passer une semaine. Ah! Louis, je suis contente! Ça m'a pas oublié. Les filles, savez-vous pourquoi Fred s'en vient? Ah, ben... Youpi! Oh, c'est pas... All right. Oh! Quand est-ce qu'il arrive? Dans 3 jours. Hey, tu dois être contente, hein? 15 ans. Hey! Fred s'en vient! Mais oui, je sais que Fred s'en vient. Ah! Oh. Elle doit s'ennuyer, hein? C'est pour ça qu'elle est de bonne humeur. Geneviève, je pense que t'as de la visite. Est-ce que c'est bien ici la demeure de Geneviève Lacoste? J'ai un message de la part de quelqu'un qui tient beaucoup à elle. Marc-André. Bon, bien, je pense que je vais aller jouer au ping-pong. Ben, merci beaucoup. Vas-y. J'aimerais ça qu'on sorte tous les deux. Je me suis arrangé avec mon entraîneur. Je connais un bon petit restaurant. Oh. Merci beaucoup. C'est oui pour le restaurant. Ouais? OK. Ben, on y va. J'ai pas envie d'habiter avec toi. Je suis honnête, là. C'est trop tôt, Étienne. Je n'ai pas encore parlé à Louise, mais j'espère qu'elle va vouloir me garder ici. Bon, écoute, Chloé, là, je te l'ai dit, il y a l'appartement d'en haut de chez mes parents. Hein?
Il est toujours pas loué. Puis, de ce temps-ci... Bon, il y a 3 chambres, ça nous en fait une chacun. Je veux pas. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Louise ne gardera pas avec un bébé. J'ai du temps avant l'accouchement. Après ça, on verra. Il me reste juste une session. Normalement, j'aurai le temps de la finir. Oh, puis, tu peux bien faire ce que tu veux, là. Hein? Moi, j'embarque dans tout, là, je suis... Je suis heureux. Tu vas toujours me rappeler que t'étais soulagée quand je t'ai dit que le test était négatif. Ben, t'aurais pas été soulagée, toi? Hein? Oui. Bon, ben, c'est pareil. Maintenant, tout est changé. T'attends un enfant, je vais l'attendre avec toi, là. C'est tout ce que je peux te dire. Et puis, je suis content parce que... Depuis un bout de temps, là, je pensais que tu voulais plus rien savoir de moi. Maintenant que je sais pourquoi, là, ça me rassure. Hey, tu peux compter sur moi, là. Hein? Puis ça, c'est une promesse que je vais tenir. Ce matin, il y avait plus de comptes que de pour sur ma liste. Ouais, puis maintenant? Plus de pour. Étienne, je pense qu'on va avoir un bébé. Oh. Qu'est-ce qui se passe, donc? Fred s'en vient. Ben voyons, tu m'as pas fait courir jusqu'ici rien que pour me dire ça, quand même. Ben, tu te rends pas compte? C'est au bout? Il s'en vient passer une semaine, ça veut dire qu'il m'a pas oublié. Il s'en vient me voir, moi. Ben oui, mais c'est pas une raison de déranger tout le monde, ça. Je pensais que t'étais en train de te faire enlever, moi. Ben là, j'étais heureuse, il fallait que je le dise à quelqu'un. Oui, bon, c'est agréable, je suis très contente pour toi, là, mais là, je vais retourner chez nous, coudon. Mais Yandon, tu peux pas me laisser de même, là, hein? Tu devrais être contente pour moi. Ben non, madame, elle s'intéresse pas aux autres, hein? elle s'en fout. Je m'en fous pas, mais je suis en train de laver ma salle de bain, là. J'ai couru jusqu'ici parce que je pensais que t'étais en train de mourir, mais là, comme c'est pas le cas, je vais retourner à mes toilettes. Je voulais juste te prévenir que vous alliez avoir un locataire pour une semaine. Hein? Avoir su. Pardon? Je pense que j'ai mal entendu, là. Où est-ce que tu veux qu'il couche, hein? Louise, elle voudra sûrement pas qu'il reste ici, puis ça me tente pas d'être pognée avec du monde pour nous checker. Ben oui, mais qu'il aille à l'hôtel, comme tout le monde! Qui s'arrange, je sais pas, moi, il y en a de l'argent. Mais c'est ça, le peu d'argent qu'il y a, il va le dépenser à l'hôtel. Et que tu peux être cheap, toi, des fois. Bon, ben là, ça va faire, là, t'en parleras à ton frère, puis... Excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir appelé pour te dire que j'étais heureuse, hein? Excuse-moi. T'aurais pu me dire ça au téléphone, franchement. Puis pour qu'il vienne à la maison, j'en parlais à Pete tantôt, là. Non, laisse faire, on va s'arranger, OK? Je pensais que c'était ton ami, mais bon. C'est mon ami, mais tu me garochais comme une brique sur la tête! En tout cas. Mais voyons! Mais voyons! Ouf. Tu t'en vas? Oui, je m'ennuie de ma salle de bain, fait que je vais aller la rejoindre, hein? Je voulais te parler. Oui, moi aussi. Hey, ça va pas, là, Gabriel! Bon, ça suffit, cette fois-ci, c'est vrai. Mon chum, c'est Pete, là, c'est fini, niaisage. Jolo, si tu veux pas, il saura jamais. Hein? Tu seras pas la première à avoir un amant? Un amant? Mais t'es-tu fou, toi? Ça m'intéresse pas d'avoir un amant. Avec moi, c'est tout ou rien. Puis c'est Pete que j'ai choisi. Là, lâche-moi, parce que sinon, il va falloir que tu trouves une job ailleurs, OK? Pense-y bien, OK? Tu restes avec Pete. Je te demande rien d'autre que t'avoir à moi quelques heures. Rien qu'un après-midi de temps en temps, mais rien qu'à moi. T'as rendu compte de ce que tu me demandes? J'aurais dû arrêter ça dès le début, mais bon, ça a l'air que j'avais besoin de me remonter l'ego. Écoute, Gabriel, c'est niaiseux au bout. C'est probablement moi qui t'ai laissé croire que c'était possible, là, mais... Trouve-toi quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, n'importe quelle fille, quelqu'un! Oui, mais tu comprends rien, toi? C'est toi que je veux, personne d'autre, seulement toi. Si tu me fais pas, qu'est-ce qui me reste? Hein? Rien.
Rien pantoute. Je chaîne comme un malade, c'est vrai. Je fais un fou de moi, ça, c'est sûr, mais ça m'est égal. Ça m'est égal en autant que j'ai juste une petite chance. Sinon, Le chantage, là, ça va faire. Tu sais depuis le début que je suis pas disponible, OK? Ça, c'est de ma faute, excuse-moi. Ouais, mais pourquoi tu l'appelles pas? J'ai appelé tantôt, il y avait personne. Bon, ça, ça a du bon sens. Tu t'ennuies, ben dis-y. Non, tu peux être sûr, je vais lui dire tout ce que j'aurais dû lui dire avant qu'elle parte. Ben, tu devrais réessayer, là, pendant que t'es décidé. Il est quelle heure, là-bas? Je sais pas, moi, aucune idée. Ben, c'est pas grave, ouais, il appelle. OK, 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 OK. Ça sonne. Oui, allô? J'aimerais parler à Hélène Cyr, s'il vous plaît. Hélène, do you speak English? Hélène Cyr? Oui, c'est ça. OK, elle est là. Allô, Hélène? C'est Julien. Ça va bien? Ah, moi, ça va très bien. Écoute, j'ai reçu ta lettre, puis je voulais t'appeler. C'est que je m'ennuie, hein. Alors, je pense tout le temps à toi. À toi aussi. Alors, je suis bien content. Tu sais, je t'aime, Hélène. Hein? Ton père? Ben, oui, j'imagine que je pourrais. Son père va me donner un billet d'avion pour que j'aille la voir. Non, non, j'étais en train de parler à Mathias. Oh oui, je vais lui dire bonjour. Mathias, Hélène te dit bonjour. Ah oui. Ah, ici, tout le monde pense à toi, hein? Ben, oui, j'imagine que je pourrais y aller. Y a pas de problème. Hélène, est-ce que je t'ai dit que je m'ennuie? Oui. Alors, je te dis, je pense à toi tout le temps, hein? OK. Je fais plus de trouble à personne, puis je te donne même un coup de main. Mais, t'as toujours Lola dans la tête, hein? Puis? Ben, puis c'est ça. J'aimerais ça que t'en regardes une autre. Ça se fait pas de même, ça. Y a personne qui te plaît, Alexandra? Pas en tout. Je sais pas, moi, quelqu'un au cégep, non? Pas dans les étudiantes. Josiane. C'est une bonne fille, Josiane. La seule qui me plaît, c'est Lola, OK? Puis je peux attendre. Je suis pas pressé. Elle est pas libre. Ça pourrait changer. De toute façon, mon vieux, t'as aucune chance. Tu t'y es vraiment mal pris. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, mon colonel? Je le sais pas, mais tu l'as pas. Une femme, faut respecter ça. Ça commence là. Ben voyons, Gabriel. On s'accroche pas à elle comme tu l'as fait, là. Il faut savoir prendre son temps. J'ai tout mon temps. Mais si tu t'ouvrais les yeux, là, peut-être que t'en verrais une autre. Regarde autour de toi, il y a sûrement une fille intéressante qui est libre. La seule qui me plaît à part Lola, c'est... C'est Jeannine. Et ça non plus, j'imagine que tu serais pas d'accord. Jeannine Gervais, là? Mais voyons, c'est évident que je peux pas être d'accord. Non, écoute, laisse tomber le café. C'est ce que t'as de mieux à faire. C'est moi qui sais ce qui est le mieux pour moi. T'étais au courant, toi, hein? Oui. Hey, tu vas pas la laisser tomber, hein? T'as pas le droit. Tu me connais mal. Non. Je sais que tu vas prendre tes responsabilités. Je l'ai dit à Chloé.
Moi, je vois pas ça comme des responsabilités. Je l'aime vraiment. Et puis, ça me rend heureux. J'ai peur, mais je suis heureux. Je suis contente pour toi. Ouais? C'est vrai. J'avais peur que tu m'attendes encore. Oh, je t'ai attendu longtemps. Ben, t'aurais pas dû parce que j'étais pas prête. Ah, un jour, tu vas m'expliquer, hein? Oui, un jour, je vais t'expliquer. Mais ce qui compte, là, c'est ce que tu vis maintenant. Oh! Hey, je vais devoir annoncer ça à mes parents. Oh, ta mère, là, elle va être folle de joie. Mais c'est vrai, oui. je me rappelle, moi, le nombre de fois qu'elle m'a demandé « Voulez-vous avoir des enfants? » Ben oui, mais elle connaît même pas Chloé. C'est pas grave, ça. Faites-en pas avec ça. Si t'es heureux, là, ta mère va être heureuse. Comment vous allez vous organiser? Oh ben, je voulais que Chloé vienne vivre avec moi, mais elle veut pas. Alors... Il faut que tu lui montres comment tu peux être fin des fois. Mmh. Sois gentil avec elle. Elle va avoir besoin de toi. Mmh? Mmh. Comme ça, tu pars pour le Brésil. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Écoute, j'ai l'impression de rêver. Brésil. Ça va être extraordinaire au Brésil. Ah. Mais son père, il t'invite, là, comme ça. Ah, écoute, j'ai pas posé de questions. Moi, je le connais pas, son père. Il m'a dit, il vient tant. Fait que je pars dans 2 semaines. Puis je sais même pas pour combien de temps. On est censé se reparler là-dessus. Ça, là. Ça veut dire qu'elle t'aime encore. Qu'elle m'aime encore? C'est sûr qu'elle m'aime encore. Elle a jamais arrêté de m'aimer. En fait, je comprends pas comment j'ai pu être aussi stupide. Ben, tu vois, c'est le fun, le matin, là. Ça allait très mal. Puis là, tout d'un coup, tout va bien. Ah, ça, pour aller bien, ça va super bien. Moi, 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 moi. Bon, ben, dites-le si je dérange. Hein? Ah, tu déranges pas du tout. Moi, moi, moi. Brésil. Enceinte? Oui. Puis j'ai décidé de garder le bébé. Tu vas avoir un bébé. Tu sautes pas de joie? Je m'attendais à ça. Oh, c'est la surprise. Et tes parents? Ils sont pas au courant encore. Non, gars, ce que je veux, Louise, là, c'est que tu me gardes ici, même si je suis enceinte. Après l'accouchement, on verra. Mais pour tout de suite, j'aimerais ça finir mon cégep. Ah, tu vas finir ton cégep. Là, arrête de répéter tout ce que je te dis. Non, inquiète-toi pas pour mes parents, là. Est-ce que tu veux me garder, oui ou non? Écoute, tu m'arrives avec une nouvelle comme ça. C'est tout un choc pour moi, là. Laisse-moi le temps. C'est pour ça que t'étais malade? Oui. Oh non, Louise, me trouve pas de sentir coupable, s'il vous plaît. Tu m'as pas jeté dans son lit, là. C'est notre faute à nous autres qui arrive. Je te connais, là. Mets-toi pas à te culpabiliser. Puis ça te rend heureuse? Oui. Depuis ce matin, oui. Eh bien, c'est toute une surprise. Merci de pas me juger, hein. T'es tôt au bout, Louise. Pour l'instant, j'aurais plutôt envie de me pincer. Je vais aller avertir Étienne que je t'ai parlé. C'est ça. Va prévenir Étienne. Allô, Marc-André? Salut. As-tu vu Étienne? Il est en cuisine. Ah, merci. Coucou. Allô. Ben, faut que je retourne à la maison. J'avais pas prévu que tu dirais oui. J'y vais avec toi. Comme tu veux. Geneviève, t'as pas envie de ramener tes choses à la maison? Il me semble que tu pourrais venir coucher chez nous. T'as décidé de me refaire la cour, ça, je suis d'accord à 100%. Mais, je suis pas prête encore. Je vais rester ici pour un temps, OK? J'attends. Il me semble que ce serait plus simple si... Oh, tu me sors. On fait comme si on n'avait jamais habité ensemble. Montre-moi comme t'es merveilleux.
Ah, c'est toi qui décides. Marc-André, comprends-moi. J'aimerais ça là, qu'on reprenne ça là, comme il faut. Je le sais, j'ai pas toujours été correcte, mais toi non plus, t'as pas... Ben, mettons que... tu sais ce que je veux dire. Mm-hmm. J'aimerais ça là, qu'on reparte ça sur des bases solides. Une chose à la fois, là. Puis faut qu'on se parle des choses qui ont pas fonctionné. Mais parlez, parlez. Qu'est-ce que ça donne? Ben oui, mais tout le monde dit qu'il faut communiquer. Un couple, là, ça peut pas marcher sans communication. Moi, je veux qu'on parle. On parle de tout. Même ce qui nous déplaît, c'est ça. Mais si on passe à travers ça, là, ça va aller mieux après. Ah, si c'est ça que ça prend. Hein? On y va? OK. Gabriel? Est-ce que Janine t'a déjà parlé de lui? Oui, plusieurs fois. C'est même elle qui m'a dit pour sa fille. Mais rien d'autre. Coudon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, qu'à part Lola, la seule qui l'intéressait, c'était... Janine. C'est pas vrai. Mais t'es certaine qu'elle t'a jamais parlé de lui? Mais non! Mais c'est pas le genre de Janine. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Charles? Il faut que je la prévienne, moi. T'as rien d'autre à m'annoncer? Ben non. Écoute, c'est déjà énorme, hein? Ben, je savais pas quoi lui répondre, moi. C'est incroyable. T'es bien assis, hein, Charles? Parce que pour les nouvelles incroyables, c'est la journée. Puis, tu reviens-tu? Ah, oh, je sais pas. J'aime ça l'idée de me faire faire la cour. Ben oui, mais là, prends pas trop de temps, parce que c'est pas rose tous les jours ici, hein? Ben justement. Ça va vous donner le temps de mieux vous connaître, toi puis Marc-André. Mais ma chérie, je le connais déjà trop. Ben sûrement pas. Parce que si le connaissais bien, là, tu te rendrais compte que c'est un gars gentil. Ben c'est ça. C'est un gentil têtard. C'est pas un têtard. J'aime pas ça quand tu dis ça. Un pétanque, d'abord. Lola, c'est vraiment pas correct. Un bouton d'acné. Oh! Oh, mon Dieu! C'est vrai, il m'emmerde pas tant que ça, puis il est bien correct, dans le fond. T'es-tu contente, là? Bon, maintenant, reviens à la maison, hein? Laisse-moi un peu de temps. Oh, mais Geneviève, moi aussi, j'ai besoin de toi. Qui tu veux que je me confie, là? T'es ma seule vraie amie. Bon, qu'est-ce qui va pas, hein? Il me tourne encore autour. Oh! Mais pourquoi tu l'as engagé au café? Je sais pas, moi. Je lui parlais, puis là, tout à coup, j'ai proposé un job. C'est niaiseux, parce qu'il me laissait tranquille avant, mais là... Oh, Geneviève, j'ai peur de faire une niaiserie. Je sais pas pourquoi, mais il me fait quelque chose, ce gars-là. Ah oui, mais mêlée de...
me sens pas mal. Pas mal. Polo. Polo. Poulet? Ouais. Ah! Chicken! All right. Chicken! Soup. C'est un chicken. Polo. Gabriel, faut que je te parle. T'as-tu pensé à ce que je t'ai proposé? Écoute, dans l'intérêt de tout le monde, je pense que ce serait mieux que tu travailles plus ici. Bon, ben... Pas tout de suite. Avec les examens, je trouverais personne pour te remplacer, mais... Mettons, à la fin de la session. Ce que je voulais te dire, c'est d'oublier ça pour la rentrée. Ben, il faudrait que tu décides. T'as-tu besoin de mes services? Sinon, Écoute! J'ai voulu être honnête avec toi pour que tu t'organises autrement pour l'année prochaine, c'est tout. Puis je veux que tu comprennes que c'est plus possible. Gabriel, je suis plus capable, je veux que ça arrête, là. T'as dit ce que t'avais à dire? Je peux travailler, là? Hum? Hey, non, madame, c'est trop facile. Madame a plus besoin de mes services, ça se fait pas de même, Lola. Bon, écoute, on va pas en faire un drame, là. Je sais pas pourquoi je t'ai engagé ici, je savais que ça avait pas de bon sens. Mettons que je viens de me rendre compte que c'est trop foqué pour marcher, OK? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le. Oh, Gabriel. Je le sais. Je le sais que t'as envie de coucher avec moi. Bon, OK. Mettons que c'est vrai. OK? Je couche avec toi. J'ai eu ce que je voulais. Puis, après? Hein? Après, qu'est-ce que ça donne? Je t'aime pas. C'est ça que tu veux, qu'on couche ensemble? T'as tout fait ça pour ça? Tu le sais que c'est pas juste ça. Mais si c'était rien que ça, ça serait déjà pas si pire. Gabriel, tu peux pas m'aimer. À ce point-là, ça se peut pas. Je t'aime comme un fou. OK, je te l'ai dit au moins 100 fois. Puis moi, je vais te suivre comme une ombre, OK? Parce que pour moi, s'il me reste rien que la chance de te regarder vivre, ça va être au moins ça. Tu comprends-tu? C'est trop. C'est beaucoup trop. Comment ça, ils peuvent pas continuer le voyage? Je sais pas. Ça a l'air qu'il y a une histoire de drogue là-dedans. Moi, je vais pas poser trop de questions. On a profité pour venir te voir. Le bateau devrait reprendre le voyage dans quelques jours. Il repartira peut-être jamais. Pourquoi que tu restes pas ici? Elle commence pas, hein? En tout cas, la drogue, ils devraient la légaliser. Comme ça, on aurait bien moins de problèmes. J'ai bien plus de monde qui en prendrait. Penses-tu? Moi, j'ai vu ça à la télé. Il y a un pays qui légalise déjà, puis ça marche. Les jeunes qui sont pas sûrs, là, c'est rien parce que c'est de l'argent vite fait. Si tu leur enlèves la possibilité qu'ils peuvent vendre la drogue, là, ben, il va bien falloir qu'ils finissent leurs études, hein? À part de ça, il y aurait moins de violence, ça, c'est prouvé. Et puis, ils trouveraient d'autres choses. Imagine-toi si la drogue t'as trouvée à la pharmacie. Ça serait le free for all. En tout cas, la place où c'est que je te parle, ils ont des autobus ou je sais pas trop quoi. Les drogués, ils vont là pour avoir leur dose. C'est basé, ça marche. Puis vu que les gens y retournent souvent, ben il y a des intervenants qui sont là pour les aider. Ouais, mais ça, c'est pas ici. Puis moi, je pense que le monde, plus que tu leur en donnes, plus qu'ils vont en prendre. OK, peut-être que ça fera moins de violence, mais il me semble que ça tient pas debout. En tout cas, si la drogue était légale, là, ton bateau aurait pas été arrêté, puis il y aurait plus de pocheurs dans les écoles. Nous autres, il y en a un assez fatigant, là. On s'est fait une petite gang, puis on a décidé d'idée d'arrêter de nous écœurer. En gang, on va se sentir plus fort. OK, c'est peut-être Pissou, mais au moins, il va arrêter, lui, de nous achaler. Que t'as pas si ça marchait ton affaire, ça fait longtemps que ça serait légal. Ben non, parce que ça aussi, le monde est trop Pissou. On va-tu manger en quelque part? Moi, j'ai faim. Es-tu au coin? Il me semble que je mangerais genre une tonne de crêpes avec ben du sirop d'érable. Go! J'ai dit. Merci. Je te dis qu'il faut que je t'aime, hein? Mm.
te comprends mieux que tu penses. C'est pour ça qu'il fallait que ça arrête. Le Brésil. Ouais, ben il est chanceux, hein, Julien. Et il part quand, là? Dans une semaine. C'est bien qu'il parte, hein, parce qu'il avait pas tout fini de régler avec Hélène. Eh ben, dis donc, là. Faut que je me grouille, moi. Je vais lui demander d'être parrain. Pas vrai? C'est un arrangement qu'on a fait, là. Je choisis le parrain, et Chloé choisit la marraine. Puis ça va être qui, la marraine? Ah, ah, ah! Je sais pas encore. Tes parrains, comment ils ont pris ça? Oh, ben, j'ai eu droit au sermon paternel, là, sur l'importance des études, tu sais, les responsabilités que ça représente, et ma mère, elle portait plus à terre. Et là, tu vas pas lâcher tes études? Ben non, 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 non. Je vais essayer de continuer, là. Ça devrait être correct, mon père va m'aider. Ça va aller. En tout cas, t'es bien chanceux d'avoir un père qui puisse t'aider. Je sais. Mais les parents de Chloé, eux, oh là là, ils ont tout essayé pour convaincre Chloé de se faire avorter. Et pour moi, ils vont se faire à l'idée. Ils n'auront pas vraiment le choix, hein. Mais toi, t'es pas inquiet? Parce qu'il paraît que ça change une vie en Moses. Eh ben, tant mieux. Parce que j'en avais bien besoin, moi, de changement. Ouais. J'ai plus le goût à rien. Et puis même les études, là, je faisais ça un peu comme ça. Mais tu vois, cette semaine, je m'y suis mis sérieusement. Tout à coup, là, j'ai l'impression que je dois tout réussir, là, pour le petit. Ouais, ouais, ouais. Ça me donne un bon coup de pied, je pense, puis honnêtement, là, j'en avais grand besoin. Ben, coudon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes heureux, toi puis Chloé? Ah, ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. On est heureux, on est heureux. Tiens. Bon, c'est beau. Comment tu fais pour tes cours? T'as-tu en manqué beaucoup? Ben, je fais les examens, puis après, on verra. C'est sûr que je les passerai pas toutes, mais moi, ça me décourage pas. J'y vais? Ouais. C'est beau. Salut! Ah, j'ai eu mon premier examen le matin. On aurait dit, là, que j'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Je te comprends. Moi aussi, ça m'arrive. On pense, là, qu'on passera pas, puis finalement, on réussit très bien. Ben, vous avez pas l'air de vous énerver, vous autres. C'est l'habitude. Hey, c'est comme ça aussi en amour. Tu t'énerves, puis finalement, là, il y a rien, là. Ben, moi, j'espère que ça va durer comme ça, là, tout le temps. Ça va bien avec Mathias, hein? Oh oui. Non. On a été chez mes parents la fin de semaine passée, là. Puis, oh, ils l'ont bien, bien aimé. Puis on l'a ri. Oh, faut dire qu'il avait été pas mal fait, hein? Ah ben. Mais tant mieux. C'est fun. Je suis contente pour vous deux. Vous allez bien ensemble. Ah, tu trouves? Oui. Ma mère, elle a dit ça aussi. Salut. Ciao, bambina. Bye. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être à Barcelone? Je sais pas. Je vais aller chez mes parents, ça c'est sûr, mais. C'est tout. Puis. T'as jamais pensé à m'amener avec toi? Comment? Avec quel argent? Ben, j'en ai, moi, de l'argent. Pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Ben, ça, j'ai toujours dit qu'on était cassés. Ben oui, on était cassés, mais il fallait prévoir les coups durs. T'aurais pu pas travailler pendant un bout de temps, fait que j'ai mis de l'argent de côté pour tout le monde. Et moi, de l'argent, j'en ai à moi. L'argent que j'ai fait en Afrique, là, je l'ai gardé.
T'as du cash, mais on l'a pas dit. Pas des tonnes, j'ai dit juste un petit peu. Combien, un petit peu? Ben. Assez pour acheter un billet d'avion. T'es sérieuse, là? Tu devrais dire avec moi. Ben oui, pourquoi pas? Je pourrais t'aider, j'ai rien à faire, moi, ici. C'est bien, ça se peut pas. Pourquoi? Dis-moi, Lise, si je dérange. Bon, là, je m'en vais travailler, je pars pas tout seul. C'est pas l'envie qui me manque de t'amener. Chut, non. J'ai eu ça, l'idée de te rester ici tout seul. C'est vrai que je suis venu. La première fois, je pense. Avant, quand j'étais ticu, j'enviais le monde qui avait une famille normale. Tous ceux qui avaient un peu de cash, mais j'étais pas jaloux. Ils me disaient qu'ils sont chanceux, c'est tout. J'ai jamais été jaloux à cause d'une fille. Et qu'elle disait oui, mais c'était pas vrai. Ça fait peur, là. C'est que je sais que Gabriel te fait de l'effet. Un petit rien. C'est moi qui t'aime, je le comprends, ça. Puis c'est que je serais même pas heureux. Puis j'en veux pas de ce gars-là. Ça devrait faire 300 fois, je te le dis. J'ai pensé qu'il suffisait qu'on parte ensemble en appartement pour que ça fasse ton bonheur, mais c'est pas vrai, t'as besoin de plus. Je cherche à comment te le donner. Je t'aime, Lola. Puis, je vais te rendre heureux, si tu vas voir. Je ne te regretterai pas. Merci. Ça me fait peur. Je peux bien te le dire à toi, ça me fait peur, tu peux pas savoir. Mais de quoi t'as peur, exactement? Mais qu'est-ce que tu crois? Hé, hey, oh, oh, tu vas avoir un bébé. Hein? Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ben oui, je sais. Mais Chloé, c'est une fille responsable. Ouais, mais tout serait beaucoup plus simple si elle voulait venir vivre avec moi. Mais non, elle dit que c'est trop tôt. Moi, là... Ça m'insécurise, tu comprends? Peut-être qu'elle voudra jamais. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais avoir un enfant que je verrai que de temps en temps. Eh bien, tu parles d'un engagement, toi. Ben, c'est la moindre des choses que tu t'engages. C'est pas comme de fonder une famille. Ben voyons donc, comment ça? Et moi, là, j'aurais voulu qu'elle soit folle de moi puis qu'elle saute sur l'occasion que je vis. Présenté. Chloé est trop... Elle est trop intelligente pour ça. Mais elle t'aime, Étienne, mais... Elle a raison. Si vous partez ensemble maintenant, là, il y a des chances pour que ça dure pas 3 mois. C'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Puis fais confiance à Chloé. C'était Chloé en liberté. Alors, bonne fin de journée tout le monde. On se revoit demain à la même heure. Bonjour. Et voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, là, toi? Là? Tu fais encore ta phase d'enterrement. J'ai été slaquer du café. Pourquoi? C'était fait. Ça n'a pas rapport, j'ai rien fait. C'est pas Lola qui veut plus que je travaille, c'est... C'est Pete qui veut plus. Ah. Mais là, tu sais, c'est un peu normal. T'sais, si tu pensais, là, que t'allais tournoyer, là, autour de Lola sans que Pete dise jamais rien, tu t'es essayé avec Lola, mais il en veut plus. C'est ça qui te met dans cet état-là? J'ai tout essayé, moi. Ouais, c'est ça le problème avec vous autres, les gars. Vous pensez que c'est juste d'insister pour qu'une fille dise oui? C'est pas si simple que ça. Écoute, elle me veut. OK, c'est lui qui est dans nos pattes. Mais lui, c'est son chum. J'aime comme un malade. Je pense que je vais virer fou. OK, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si Caroline n'était pas arrivée dans le sol, Lola était à moi, je le sentais, elle me voulait. Mais ça aurait rien changé. Elle me l'a dit que je l'attirais.
Ça, il y a un dicton qui dit c'est pas parce que t'es au régime que tu peux pas regarder le menu. OK? C'est pas parce que t'es bien en amour avec quelqu'un que tu peux pas être attiré par quelqu'un d'autre. Mais de là à passer aux actes, par exemple. C'est ça. Ça marchait mieux avant quand je laissais pas le temps de réagir. C'est ça, je laissais trop réfléchir. Au début, je l'embrassais, je demandais pas la permission, puis elle aimait ça. Non, là, arrête. OK? Là, t'es sans dessin. Tweet! OK? T'es bien chanceux, Gabriel, que Lola était pas revirée de bord, ses capotes roues, OK? Mais là, laisse-moi dire que c'est assez, OK? Elle gênera plus, là. On va bien voir. OK? Gabriel, arrête. Gabriel, reste... Gabriel! Mais je suis content de voir que tu vas mieux. Oh, j'essaie de pas trop y penser. Mais moi, je trouve que t'as fait quelque chose de vraiment formidable. Merci, mais... Mais rien! J'ai adoré suivre ton entraînement. Je trouve que c'est remarquable. Oh, arrête, c'est gênant. Puis, ben, je voulais te dire aussi... Ben, c'est grâce à toi, ben, sans que tu le saches, là, que j'ai réalisé que j'aimais Fanny. À cause de moi? Ben oui. Eh bien, toutes les qualités que je te trouvais, là, je me suis rendu compte qu'elle les avait, elle aussi. Ben, je peux bien te le dire maintenant, là, j'ai été un petit peu amoureux de toi. Tu te rappelles au début quand on allait faire du jogging ensemble? Ben oui, je m'en rappelle. Ben, mettons que j'aurais pas dit non. Ben, t'étais pas libre, puis j'ai découvert la même complicité avec Fanny. Ah, ben, je l'ai vue tantôt, elle a l'air vraiment heureuse. Ben, moi aussi, je dois péter le feu, non? C'est drôle. C'est quoi ça? Devine. Tes réponses d'université? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, j'ai été accepté à deux places, puis l'autre m'a refusé. Mais de toute façon, c'était trop loin. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Oh, je sais pas. J'aime autant pas penser à ça. Je pense qu'on est allé marcher un peu. J'étais plus capable. Je comprends, mais neuf crêpes. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que tu t'es endormi, mon coco. Oh non, mon cou. Oh non, j'ai passé tout droit. Tout là, t'aurais besoin d'un bon petit massage. T'es tout traqué, hein? Ça se voit dans ta face, tu dors pas à nuit. Ah, hey, s'il te plaît, là. Ben, c'est ça. Pas peur de ça, t'étais dans notre divan, chose. C'était long, tranquille. Oh, toi, là. C'est ça. Caroline, pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps que tu écœures tout le monde? J'y faisais un massage, là. C'est ça que t'appelles écœurer quelqu'un? Je vais aller y parler. Ah, c'est le printemps. Content, là? Hein? C'est ça que tu voulais que je me retrouve avec Harry? T'as une job? Le café, j'en avais besoin, OK? T'as bien qu'à te tenir tranquille. La même. Non. Ah. Comment tu le sais? Je le sais. T'es tout. De quoi t'as peur d'abord? Pas de toi. Ça, tu veux m'écœurer, mais ça pas une peau. Ça, t'es un bisou. Moi, j'ai ça, un bisou. Défends-toi. S'il vous plaît, le camion. On t'a pas sonné, toi. J'ai pas envie de me battre. Ah, t'es d'abord. D'abord, c'est que tu tiens pas à elle. Laisse tomber, mon oncle. C'est pas une fille pour toi. T'es malade, là, va te faire soigner, OK? T'es une étale, toi, une lavette. Arrêtez! Hey, t'es fucké, toi. T'es malade, hein? Vite! Attends que je te casse la gueule, toi. Oh, essaye. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Pete, veux-tu lâcher? Arrêtez! Ah, oh, il y a toujours bien un bout!
dérange encore. C'est pas pour longtemps. Ah non, c'est pas toi, là, c'est elle. Je suis plus capable de la voir. Je sais pas comment tu fais. On dirait que c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle gueule à 20 autres. Je lui demande juste de me laisser tranquille. C'est quand t'es insécure, ça. Insécure? On parle pas de la même fille, certain. Ça fait sans elle d'être timide. Timide? Caroline Béliveau. On parle pas de la même personne, là, c'est sûr. Personne ne la connaît vraiment, tu sais. Elle nous en donne pas ben ben le goût, hein? Elle te plaît vraiment, cette fille-là? Moi, je comprends pas ça. Depuis le début, je me dis ça se peut pas. Au début, moi aussi, je me suis dit que ça se pouvait pas. Je l'ai mieux connue. Quand je l'ai connue, je suis avec tout le monde. Caroline? Ouais. Il paraît que ça faisait bien rire les gars que je m'intéressais à elle. Il disait que tout le monde était passé dessus. Ça n'avait pas de bon sens. À 15 ans, tout ce qu'elle faisait, c'est traîner dans le parc, coucher puis boire. Elle a changé. Pauvre petite fille. Je te crois sur parole qu'elle a changé. Pas un cadeau pareil, hein? Comment ça se fait qu'on n'a jamais rien su? Mais elle l'a jamais dit. Puis moi, je m'en vais dans deux jours. Elle va être encore toute seule. Ah, moi aussi, je suis tout seul. J'ai qu'un personne. Me dire à quoi ça t'aurait servi de te battre. C'est bien. Je sais que j'en pouvais plus, il fallait que ça sorte. Fais chier ce gars-là. Il n'y a rien arrivé, fait qu'on voit pas une histoire avec ça, anyway. Comment Lola a pris ça? Comment tu penses? Là, il était avec Louise. Il m'a dit qu'elle avait son casse. Moi, avec. Pete, réponds-moi si tu veux, là. Louise, sais-tu déjà mêlé de tes affaires? Je veux dire, ta vie privée. Mais ça, Louise, il fait un petit signe, là, elle te l'a jamais tombé. Elle a toujours voulu m'aider. Au début, je comprenais pas. Je pensais que j'avais besoin de personne, mais... Mais elle a jamais rien fait que je voulais pas qu'elle fasse. Et tu as répondu? Dans le fond, t'avais besoin d'elle. Ouais. C'est ça. J'avais besoin qu'elle fasse un bout pour moi, puis l'autre bout, je m'en occupais. Ça a toujours été le même. Pour les études, pour les filles, puis tout. Quand on est parti en voyage, depuis moi, là, j'ai compris bien des affaires, surtout sur Louise. Cette fille-là, Charlot, là, fais-y jamais mal parce que c'est à moi que t'auras affaire. Puis à toi aussi, elle t'a donné un coup de main, hein. N'oublie pas ça. Penses-tu? Je l'aime bien trop pour ça. Lola aussi, elle disait ça. Pourquoi tu me demandes ça? Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Je sais-tu, moi. Quand je suis arrivée, il était prêt à se battre, t'en rends-tu compte? Non, c'est devenu monstrueux, cette histoire-là, puis moi, je sais plus quoi faire. Pourquoi t'as engagé Gabriel? Arrêtez de me poser cette question-là! Je sais pas pourquoi, je sais pas! Bon! Avoue que c'était pas très... Ben non, c'est pas très intelligent. Je suis un pétanque, c'est vrai. Le petit poids à plat du cerveau, c'est moi qui l'ai. Bon, pis maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Gabriel travaillera plus au café. Est-ce que tu lui as dit qu'il te plaisait pas? Ben oui, j'ai dit, mais il veut pas comprendre. As-tu déjà vu ça? Pis, il m'énerve!
Il dit qu'il me comprend. J'en ai assez qu'on me comprenne, qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce que t'attends de lui? Je sais pas. Est-ce que tu l'aimes? C'est toi qui me poses cette question-là. J'ai tellement peur qu'il revienne jamais. Je pense que je serais morte, pas des farces. Quand il est revenu, je m'étais juré que je ferais plus rien qui puisse lui faire de la peine. Puis j'ai engagé Gabriel. Je peux pas faire l'innocente, je savais que ça ferait pas l'affaire de Pete. Des fois, on dirait que tu fais exprès pour le provoquer. C'est pas ça, Louise. Quand il est parti, c'est ça que j'ai pensé que je faisais exprès pour que ça marche pas. Louise, si c'était dans ma tête que ça tournait pas rond, je pense que je suis folle. Salut! Toi, fais-moi plus jamais ça, OK? Voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette gang de stressés-là? Relax. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec Fred, il voulait faire des visites, mais c'était pas contente. Dire que je suis venue jusqu'ici pour t'apporter ça. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Hey, c'est pour la bourse. Ben, ouvre-la. Ah ouais. Pis, tu l'as-tu, là, ou ben quoi? On l'a! Oh, c'est des caracs! Je le savais! Salut! Est-ce que peux-tu être juste un peu heureux? Ça doit. Comment ils font les autres? Je sais pas. J'ai vu Mathias. Moi, à ta place, il me semble que ça fait longtemps que j'en aurais donné une bonne à Gabriel. Il me semble que ça m'aurait fait du bien. Mais j'ai presque pas touché, puis... Ça m'a fait du bien à Paris. Un gars mourait de ta blonde, puis... Puis? Quand même. J'ai peur de la peine. Pourquoi? T'es encore là? Je sens bien qu'elle est mêlée. Ça t'arrive jamais, toi? Moi? Tout le temps. Ben... Justement. Ben... Je sais que c'est dur à comprendre. Je te comprends. C'est gênant au début. C'est vrai? Toi aussi, ça t'arrive, là? Je me rappelle les premières fois avec Marc-André, là. On était tellement gênés qu'on n'arrêtait pas de se cogner. On dirait qu'on avait trop de mains ou trop de nez quand on s'embrassait. Puis plus ça allait mal, plus on était gênés. On a fini par trouver ça drôle. Au contraire, moi, je suis tellement gênée, là, que j'ose pas bouger. Tu devrais me voir. Ah, oh, ben ça, ma grande, ça va passer. C'est l'habitude. Mais ça va de mieux en mieux. C'est bon signe. Geneviève! On l'a. Ben, on a quoi? Mais la bourse, cette affaire, on a notre compagnie! Geneviève! Geneviève! Wow!
on a le OK pour la bourse. Ça marche, Marc-André, t'as rendu compte, c'est merveilleux. Ils ont dit oui, là. Oui, ils ont dit oui, ils nous font confiance, ils me font confiance à moi. Geneviève, Lacoste, même si j'ai pas gagné la médaille d'or, ils me font confiance. Faut fêter ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, on boit pas. Veux-tu qu'on aille danser? Je sais pas, de quoi t'as envie? De fêter. Je pensais que plus jamais personne me ferait confiance, que plus rien fonctionnerait pour moi. Ma vie était finie, là, puis tout à coup, tout est possible. Moi, je connais un bon moyen de fêter ça. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ouais! Justement, j'ai demandé. Ça tente-tu d'être marraine? Marraine, moi? Oui. Ça tente, là, ça me ferait bien, bien, bien plaisir. C'est très gentil de ta part, je te remercie. Je sais, tu fais ça pour me faire plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux, je me sens coupable et c'est pas ça qui va changer les choses. Et puis, t'as ta famille, hein, c'est à eux que tu devras offrir ça. Non, non, je l'apprécie quand même, mais je vais m'arranger pour être marraine à ma manière. Tu vas quand même dire oui, hein, pour que je revienne l'année prochaine? Je peux pas te donner de réponse maintenant. Je sais même pas si je vais rouvrir l'année prochaine. J'ai besoin de changement. Et je te tiendrai au courant. Et tu devras appeler ta mère, elle doit attendre ton téléphone. T'es pas sérieuse, là? Tu vas pas fermer? Louise! Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Où c'est qu'on va aller? C'est trop tôt pour se poser des questions, je te l'ai dit. On verra. T'as pris de tantôt, j'étais assez gênée, ça avait pas de bon sens. Un suçon, t'es donc bien fin! Je peux te dire merci. De quoi? M'avoir choisi. Pas ça, voyons, là. Je vais pas être poignée pour adopter encore. Merci de pas le garder au café. Puis, excuse. Excuse pour tantôt aux causes. Mais oui, qu'est-ce qui t'a pris, donc? Je sais pas, mais j'aurais dû. Il semble que si j'avais assez appris une mornif, quelque chose de même, ça m'aurait fait du bien. Ça, c'est bien bébé, ça. Ouais, mais c'est le même. J'en pouvais plus, je voulais sauter dans la face. Le gars, c'est limite. En tout cas, une chance que je t'ai arrivé, hein? Puis, te laisse ça tranquille, OK? Je t'arrête pas de me baver, ce gars-là. L'autre gars tombe en amour avec toi, c'est juste normal. Il est tellement belle. La prochaine fois, arrange-toi pour que tu sois moins collant, OK? C'est la première fois que tu me donnes un son. C'est pas tout au tout. À cause du sportif, là. Je me suis dit que peut-être je m'occupais pas assez de toi. Peut-être ça qui nous manque. Faut qu'on prenne soin de nous autres. Bon, ben, ça commence maintenant. Allez, porteur! À la maison! Ah oui, mais. Je t'aime bien gros, là, mais. Ben, voyons, force-toi un peu. Je suis pas si pesante que ça. C'est long, ça. Ouais, voyons! Parle à la porte. Ouais. Clic. Le champagne! Wow! J'avais prévu l'ouvrir pour Geneviève, mais je suis bien content qu'il serve aujourd'hui. Geneviève, on commence demain. Oh! Oh! Mais je suis... Wow! Ah, et voilà. Merci. Ça va nous prendre un local, à part de ça. Mais c'est prévu dans le budget. Oui. Bon, tiens. Puis demain, là, en plus, je vais aller acheter les tissus, là, tu sais, qu'on a vu l'autre fois. Puis, Puis je pense que pour demain, ça va être assez. Louise, prends un verre. Il faut fêter ça. Ah, ben, je veux bien.
Je bois à votre santé et je vous félicite. Oh boy! Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu notre bourse. Hey! Wow! Tu veux-tu du champagne? Non, merci. Mais c'est bien le fun! Hey, Geneviève, il faut faire la liste de tout ce qu'on a à faire. Puis, il faut falloir trouver un local pas loin d'ici, là. Wow! Moi, j'ai de la misère à y croire. Il me semble que ce matin, là, tout allait mal, qu'aujourd'hui, tout roule sur des roulettes. Wow! Un toast à ça! Yeah! Chin-chin! C'est cool, comment ça marche? Si je le savais. Bon, c'est sûr que j'aurais pas les notes à tout casser, là, mais je vais passer, je pense bien. Ouais. Caroline, hein? Je voudrais te féliciter, là. T'as fait bien des efforts, je pense que la personne qui t'a dit c'était bien beau. Merci. C'est vrai que j'ai fait mon possible. J'ai eu bien peur à un moment donné, hein. Je pensais que tu t'en sortirais pas. Bon, là, j'ai décidé de finir mes études, là, pis c'est ça que je vais faire. Mais y a pas personne qui va me dire ce qui est bon pour moi, OK? Si vous pouviez comprendre ça une fois pour toutes. On voulait juste t'aider. Mais moi, plus on m'offre d'aide, moins j'en veux. Puis tous vos discours, là, ben ils servent à rien, puis ça va toujours être de même. Mettons que j'ai pris la chance qui passait. Tu m'as déjà dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse, fait que là, j'essaye, mais je sais pas ce que ça va donner. Et c'est sûr, je deviendrai jamais quelqu'un. Moi, je rêve pas. Les histoires de grenouilles qui se transforment en prince charmant, là, ben moi, ça m'a toujours bien fait rire. Fait que rêve si tu veux, là. Mais moi, je vais faire ce qui me tente, puis tant mieux si ça marche. Petite sœur. Fais pas ton quétaine. Allô? Allô, là? Je t'attends, là. Quoi? Shit. Je suppose que ça me tente d'aller là, moi, là. Ouais, mais rentre, laisse se démerder, c'est pas de ta faute, ce shit. OK. OK, on va y aller, là. Ah, ouais. On va t'aider à ramasser. C'est ça.